Je vous ai préparé un Whitebeard and Shanks versus Kaido and Big and versus Kaido and Big Mom. Oui, mes amis, un gros battle de Yonko. On a deux Yonko contre deux Yonko. On verra un petit peu ce que ça va donner. Peut-être qu'on aura d'excellentes choses. Peut-être que ça va être catastrophique. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Encore une fois, je découvre avec vous. Donc, let's go. Alors, on démarre avec Big Mom enfant. Ah oui, Big Mom enfant qui broie Shanks enfant. D'accord. Ok. Bon, en même temps, elle est montrée avec une force surhumaine au début. Ok, même Whitebeard enfant se fait démonter. Ok, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, désolé, Barbe Blanche, hein, mais Barbe Blanche enfant, tu es sacrément nul. Ok. Ah, ça va vite. Shanks, exécution de Goldie Roger. Ok, la moitié de Big Mom, très bien. Big Mom, elle broie Bellamy par contre. Ouais, le problème, c'est que ils te font parfois des niveaux de puissance qui sont bien trop larges. Là, on a l'exemple avec Bellamy, mais bon, on va pas trop en tenir rigueur en vrai de vrai. C'est pas grave. Oh, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Shanks contre Blackbeard. D'accord, donc là, on a le boost Blackbeard. Ok, très bien. Pas de problème. Oh, Kaido à dos. Waouh. Non. Attends. Shanks contre Blackbeard. Il vaut un sixième de mon manga. Ok. Je veux bien qu'on ait pas d'indication, mais ok. Ok, Shanks, Young. Non, le mec, c'est un pro Kaido, pro Big Mom, là. Non, ça va pas, là. Attends. Ce Barbe Blanche, là, il vaut un sixième de Kaido, là. Mais pourquoi? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Mais c'est lunaire, là. Pourquoi le Kaido à dos, il est aussi chaud? Ok, ah, Griffon, voilà le boost. Sword, ok. Ça va. On va pas se plaindre. On a le boost. Griffon, ça va, franchement, ça va. On va pas non plus... Ok, Kid, Rage. Ok. Bon, je pensais qu'on avait affaire à un pro Big Mom, pro Kaido. Ça existe, hein, j'en connais. Mais là, ça va, franchement, ça va. Effectivement, il n'y a pas encore le boost, Mihawk, il manque. Ok, Big Mom avec le fruit des âmes. Mais c'est la Big Mom ado, là, hein. D'accord, hein. Ok, Big Mom ado. Bon, effectivement, je regrette l'absence de Mihawk dans la vidéo. Ok, Shanks qui crée... Ah ouais, c'est chaud, par contre, hein. Shanks, qui crée son équipage, il est qu'un peu au-dessus de Big Mom, ado ou enfant. C'est chaud un peu, non? God Valley. Ah oui, direct. Ouf. Ok. God Valley, Commander Level. Il y a un gros débat. Au niveau de God Valley, il y a effectivement débat. Les commandants de Xebec avaient-ils le niveau de commandant ou avaient-ils un niveau supérieur au niveau de commandant? Il y a débat. Chacun peut interpréter le bail voilà, de différentes façons. Voilà. Chacun a sa vision du truc. Pour moi, franchement, ça peut être les deux. Hein. Honnêtement, ça peut être les deux. Il peut vraiment avoir le niveau de commandant, tout comme il pouvait effectivement avoir un niveau supérieur. Ça dépend. Voilà, on laisse le bénéfice du doute. On n'a pas vraiment d'infos qui nous permettent de donner des affirmations. Donc, on part du principe qu'il avait le commandeur level. Ouf! Un premier commandant vaut pas deux commandants, c'est trop. Un premier commandant vaut pas deux commandants. Il y en a plein qui me disent oui, mais non, King vaut deux Queen. Non, King vaut pas deux Queen, non. Je suis pas d'accord. Un second équipage vaut pas deux commandants. Ah, il y a autant de différence entre deux premiers commandants. Big Mom, premier commandant, d'accord, ok. Ouais, donc le mec part du principe que Barbe Blanche est en haut, parce que voilà, l'homme le plus fort du monde, Gura Nomi, ok, pas de problème. King, flashback. D'accord, donc dans le flashback de King, Kaido, il était supérieur à Barbe Blanche. Dis-moi en plus, mon ami, vas-y, continue, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on n'aurait pas un autre Barbe Blanche? Non, on a un Shanks. Shanks, attention. Ah, voilà. Let's go. Le boost Mihawk qui te fait obligatoirement monter au niveau Loyonko. Oui. Oui, le boost Mihawk, il est là. Vous l'aviez oublié, mais un anglophone n'oublie jamais le boost Mihawk. Jamais. Donc, Rox Pirate, God Valley,
Loyonko level, ok. Ok, d'accord. Barbe blanche. Height, Yonko level. Good. Ah non, non, non. Ah non, il y a un problème là. God Valley, il était déjà height Yonko level. Compliqué, on a eu comme info qu'il avait atteint son prime 2 ans après God Valley. Donc, à moins que tu le mettes encore à un niveau supérieur. Compliqué, hein. Tout ce qui est God Valley, c'est chaud, hein. Ok. Kaido, Wano. Oh! Ah, la grosse différence entre Barbe Blanche et Kaido. Tiens, 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 Barbe Blanche. Alors, on met des tartes au cou à Kaido? D'accord, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Ok. Whitebeard Pirate, Dragon Form contre Oden. Ok, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Bon, il y a quand même une grosse différence qui est un peu compliquée à expliquer. Mais bon, en vrai de vrai, Barbe Blanche Prime contre Oden et contre... Ok. Oh, il a trop de flow, Kaido. Avec la chemise rose de Gold Roger, là. Putain, il a trop de flow, Kaido. Regardez-le. Pas le flow de Kaido. Oh. Ah ouais. Honnêtement, en termes de combat, de flow, Barbe Blanche, Kaido, ça se tape, hein. Ça se tape, hein. Et il a un flow de taré, Kaido, hein. En vrai, de vrai, rien de catastrophique, hein, dans la vidéo, hein. Il n'y a pas de truc dégueulasse contre Roger. Ouf. Pirate King level. Pirate King level. Aïe. Pirate King level. De ce qu'on nous a montré, il pouvait rivaliser avec le Pirate King seulement quand il était en phase terminale. Hein. Mais bon. Ouais, pareil, il y a débat, il y a débat, il y a débat, il y a débat, il y a débat. Il va encore monter. Oula, 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 oula. Stop, stop. Prime full power. Mais non, le Prime full power, il avait déjà. Contre Roger, oh, calme-toi. Pourquoi il augmente encore? Mais non. Pourquoi il augmente encore? Mais il était déjà à son prime, non? Parce qu'il atteint son prime 2 ans après God Valley, donc il était déjà à son prime, le frérot Barbe Blanche, non? Il a parlé à Mioka. Probablement, probablement. Non mais en vrai de vrai, si on est honnête par rapport à Barbe Blanche, tant qu'on n'aura pas la confirmation, il y aura toujours un éternel débat vis-à-vis de son niveau prime contre le niveau des Yonko actuels. Parce que, factuellement, c'est officiel, Roger est supérieur, avait un niveau supérieur au Yonko actuel. Voilà. Maintenant, on nous dit que Barbe Blanche rivalisait avec lui. Mais quand on nous montre qu'il rivalisait avec lui, c'était quand Roger était en phase terminale, le mec, dans sa cabine, il avait du mal à tenir debout. Donc, voilà. Après, on nous parle de son titre. Alors oui, mais t'as l'info qui te dit que son titre, c'est pas pour sa puissance, mais c'est pour sa vie de pirate. Donc bon, au bout d'un moment... Barbe Blanche et tout, c'est compliqué, hein. Barbe Blanche, c'est compliqué. Ah ouais, je vous dis, hein. Compliqué. Mais pourquoi Big Mom, elle est high Yonko level? Mais c'est vrai, bien. Attends. Shanks, high Yonko level. Barbe Blanche, high Yonko level. Kaido, high Yonko level. Mais c'est quoi le Yonko level, alors? Si tous les Yonko ont le high Yonko level. Qui a eu le Yonko level, alors? Mais le Yonko level, il a été inventé pour les Yonko. Je comprends plus rien, je suis perdu. Je comprends pas. Le Yonko level, il a été inventé pour les Yonko, mais tous les Yonko ont le Yonko level. Ça veut dire quoi, ça? Luffy flashback, Whole Cake Island. Sur Whole Cake, elle avait le Yonko level. Pourquoi elle a le Yonko level? Ça va un peu trop loin, leur truc de niveau. Hein. Ça va un peu trop loin. Big Mom, elle a le niveau Yonko, point. Hein. Pourquoi vous cherchez compliqué? Mais pourquoi vous cherchez compliqué, là, le Yonko level? Après, sous différentes formes, elle augmente un peu, mais... Shanks qui devient Yonko, il a le niveau... Shanks, il devient Yonko, mais il a le niveau amiral. Il y a un mec, l'autre fois, dans un live, il m'avait dit, ouais, à chaque fois, t'es surpris... T'arrives encore à être surpris des tops, mais oui. Comment veux-tu ne pas être surpris devant quelqu'un qui te dit qu'un mec qui devient Yonko, il a le niveau amiral? Kaido, il a le low Yonko level. Ah, Yonko level, et elle a le niveau amiral, mais... Je comprends. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ok, Barbe Blanche. Ils sont trop forts, les anglophones. Hein. Ah, ils sont trop... Ils arrivent toujours à me surprendre. Ils sont vraiment trop forts. Hein. Vous êtes trop forts. Hein. Vous êtes terrible comme le terrible Colonel Smoker. Ah, Yonko level. Ouais, je comprends plus rien. Il y a trop de... Il y a trop de niveaux. Il y a trop de niveaux. En fait, je comprends pas. Leur niveau rookie, ça va de Arlong à Rob Lucci, mais niveau Yonko, t'as 4 niveaux différents, qu'est-ce que tu comprends? Ok, contre Shanks et Big Mom, à Yonko level? Pff, oh là là... Pourquoi il y a de si grosses différences entre les Yonko?
Là, on a le fameux boost de rooftop. Rooftop, c'est le toit de Nigashima. À chaque fois qu'il y a un mec qui monte sur le toit, il a un boost, obligatoirement. Tu peux mettre Baggy sur le toit, il va monter en puissance parce que c'est le boost du rooftop. Ok, donc là, c'est quel boost? Ok, avec Hera. Giant Form contre... Ok. Donc là, elle est supérieure à Barbe Blanche. D'accord. Shanks, il est où? Mio qui a construit le toit. Mio qui l'a fait le rooftop de Nigashima. Mais moi, ce qui me fout droit, vraiment, ce qui me fume, je sais qu'il y en a plein qui pensent ça, bon, tant pis pour vous, mais ce qui me fout droit, c'est qu'il y en a qui sont persuadés que Mihawk, genre, il y a 50 chapitres en arrière, il vient sur Nigashima, il monte sur le toit, il se prend Kaido normal, hein. Il y en a qui sont persuadés, en fait, le fait de me dire que des gens sont persuadés que Mihawk vient sur Nigashima et fout droit Kaido, ça m'empêche de dormir. Ça m'empêche de trouver le sommeil. Comment voulez-vous que je trouve le sommeil quand je me dis que des gens sont persuadés que Mihawk vient sur Nigashima et qu'il fout droit Kaido? C'est impossible. Je peux pas, moi. Waouh, Pirate King level. Oh, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non, tu vas trop loin. C'est trop, 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 trop. Non, 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 non. Donc là, Luffy, il est en train de combattre Goldie Roger, hein, si je capte bien. Donc, si je capte bien, One Piece, ça finit dans quoi? Un an? Un an et demi, grand maximum. Ça va pas la tête. Ça va pas. Enfin, ça va pas la tête, non, n'exagérons pas. Ça va pas. Ah, 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 ah. Putain, j'étais bien. Ah, je me suis dit, il va le mettre en haut. Je me suis dit, il va mettre Shanks au-dessus de Kaido. Je me suis dit, j'allais dire, let's go. Mais non. Dommage, 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 dommage. Ouais, Kaido, il est beaucoup trop... Non, il est beaucoup trop Kaido, attends. Kaido, il a pas le Pirate King level et Kaido n'aura jamais le Pirate King level. Voilà, je te le dis, mon pote, ça sert à rien voilà, ça sert à rien d'espérer des choses qui n'arriveront jamais. Kaido n'aura jamais le Pirate King level parce que le Pirate King level est un pirate qui est supérieur au niveau de Kaido, tout simplement. The world, 時を止まれ!